Vert, c'est vert. T'es sourd ou quoi? Eh bien, alors, vas-y, avance. Ah, quoi, les enfants? Ah, ben, quand c'est qu'on arrive, on arrivera quand on arrivera. Hein? De toute façon, on a de l'avance. Mamie Jacotte nous attend pas avant midi, alors. Je vais le traîner jusqu'à la fin. La première fois, t'as fait ça. De la voiture 2 secondes. Mais attention, on arrivera, je voulais le gérer, ça aussi, avant. Tu sais qu'on a bien fait de partir plus tôt, hein. Comme ça, même si on tourne un petit peu, on s'en enlève pas. Allez, vas-y, roule. Ouh là là. Dis donc, il y a du fric dans le coin, hein. Il y a de ces baraques, hein. Comment, Jérôme? Ah non, mamie Jacotte, ah non, elle habite plus rue du Rocher. Ah non, 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 maintenant que papy Jaco est mort, on l'a mise dans un... Enfin, on l'a mise... Non, elle habite, hein. Elle habite, bien sûr qu'elle habite. Elle habite dans une grande maison, ha, ha, avec plein d'autres vieilles dames. Ha, 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 ha. Que leur mari est mort aussi, d'ailleurs. Hein? Ben, je sais pas pourquoi je rigole. Alors, tu vois, je peux pas te dire. Comment? Oh, ben, je comprends que c'est joli. Un peu que c'est joli, dis donc. Elles ont chacune leur box. Enfin, leur... Oui, ben, leur truc, ce que je veux dire. Comme la SPA, oui. Non! Mais oui, enfin oui, non. Oui, si, sauf que la SPA, c'est pour les animaux abandonnés. Alors que mamie Jacotte, on l'a jamais abandonnée. C'est vrai, ta mère, on s'en est toujours bien occupée. Hein? Elle devrait être bien là-bas, hein? Hein? Elle peut. Ah bah ben, nous, on va bien sentir passer quand même, hein? Tu t'es arrangé avec ton frère? Hein? Je te demande comme ça pour parler, hein? On a parlé, oui, avec Francis. Et Liliane. Oui, parce que sa femme, c'est le même topo quand il s'agit du fric. Ben, je sais pas, ils nous ont déjà bien mché les vacances l'année dernière. Ils vont pas encore nous grappiller sur la maison de retraite. Oui, ben, je veux pas le savoir, moi. C'est ton frère. Alors ta mère, vous la coupez en deux. Voilà. Doucement derrière, les enfants, on s'entend plus. Ah non, chérie, fais pas cette tête. Non, non, arrête, arrête. Arrête, mais bien sûr que ce n'est pas bien là-bas. On la mettra ailleurs, bien sûr. Chez Francis. Quoi, Liliane? Oh, ben, Liliane, excuse-moi, elle a que ça à foutre, s'en occuper. Nous, ah ben, nous, t'as vu, on l'a fait l'essai. Elle fait peur aux gosses. Alors, bon, Pierrette, vous me parlez, on va se paumer. De toute façon, j'ai le plan, tout va bien. Saint-Germain-en-Laye, on l'a passé. Salon, la Bretèche, c'est fait. La forêt, on est en pleine dans la forêt. Hein. Alors, c'est après la forêt que ça se complique. Hein. On surveille bien. Jérôme, t'as pris quel parfum, le Vacherin? Vanille chocolat, parfait. Moi, j'adore le chocolat. Oh, les enfants, un hélicoptère. La sorte de la forêt, bah dites-le. Alors maintenant chérie, il faut que tu trouves un boulot. Un déjà, hein? Ah oui, oh, oui, drôle, d'accord, oui, d'accord. Non, non, un boulot, arrête, un boulot, un arbre. Alors, au boulot, on... Non, arrête, je suis avec ça, deux fois, c'est un coup de trop, vraiment, ça fait rire personne en plus. Alors au boulot, on tourne à gauche, c'est gauche, là. Alors, on cherche un boulot, les enfants, on s'y met tous, allez. On cherche un boulot, oh, 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 oh. On cherche un boulot, oh, 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 oh. On cherche un boulot, oh, 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 oh. On cherche un boulot, oui, c'est le boulot. Oh, 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 oh. Oh, sacré boulot. Oh, laisse boulot, tu vas voir. Tu vas voir qu'avec le pot qu'on a, on va nous l'avoir coupé, le boulot. Oui, d'accord, enfin, moi, avec la chaleur qu'il fait, je m'inquiète un peu pour mon... Hop, le Vacherin. Oui, le boulot. Le Vacherin, il est là. Oui, ben, j'ai bien vu que le boulot était pas là, je l'aurais vu s'il était là, non.
Si j'avais un boulot là, je l'aurais vu quand même. Bon, alors, si je te dis je l'aurais vu, je l'aurais vu. Alors, tourne à gauche, là, boulot. Voilà, doucement. Alors après, on va tomber sur une pâte d'oie. Hein, chérie, tu fais attention à la pâte d'oie. Les enfants, pas de dessin. Rien pour mamie Jacotte. Hein? Ah bah oui, la prochaine fois, d'accord. Enfin, si ça se trouve, la prochaine fois, mamie Jacotte, elle sera morte. Hein? Oh, bah non, elle sera pas triste. Elle va retrouver papy Jacotte. Hein? Et puis plein de copines là-haut. Mais arrête, j'ai pas dit qu'elle allait mourir demain, mais enfin, quand elle sera là-haut, elle pourra toujours les attendre, les croquis, hein. Bon. Alors, la pâte d'oie, on arrive dessus. T'as le chic, toi, pour, hein, quand même. Alors, nous, il faut prendre direction les clés sous bois. Alors, tiens, les clés sous bois, c'est marqué là, parfait. Ah, c'est marqué là aussi, oui, ah. Mais qu'est-ce qu'on fait, j'en sais rien, moi. On va peut-être pas faire deux équipes, hein. Enquille-toi là, allez, enquille-toi là. Oui, eh ben écoute, on va pas rester planté, il fait chaud. Hein. Oui, eh ben ça va se rejoindre tout ça. Allez, roule. Hein, nous, pendant ce temps, les enfants, on va chanter, ça va vous tenir tranquille un peu. Allez, on va chanter. Mamie Jacotte aime les carottes, mamie Jacotte aime les carottes, mamie Jacotte aime les carottes, mamie Jacotte aime les carottes. 3, 4, mamie Jacotte aime les carottes, Jacotte aime les carottes, mamie Jacotte aime les carottes, mamie Jacotte aime les carottes. Ah, les carottes. On est paumé. Mais on est paumé, je peux pas te dire à quel point, je reconnais rien, mais rien. On est paumé. Non, les enfants, chacun son tour au milieu, de toute façon, il n'y a rien à voir. Papa s'est trompé de route. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'en sais rien. J'avais la patte d'oie, après, j'avais une caravane abandonnée, on y était. Ça, quand même, c'est terrible. Il t'a pas de. Tu m'énerves, toi, aujourd'hui, je pense qu'il m'énerve. Mais c'est comme ça, tu m'énerves. Puis c'est tout, voilà, je sais pas. Puis avec cette mèche, là, qui est Kirby, c'était. Tu peux pas la mettre avec les deux autres, non? Tu connais parti ce matin, hein, là. Ric à la houppe, là, alors, hein. Il t'a pas donné d'autres indices, Francis, hein? Quand même. C'est toi qui l'as eu au téléphone. C'est pas toi qui l'as eu au téléphone? Qui c'est qui l'a eu au téléphone? C'est moi qui l'ai eu au téléphone. Non, mon chéri, moi, il m'a pas donné d'autres indices, non. Il m'a dit comme ça, tac, après, plouf, et voilà, on y était, voilà. Quoi, non, du papier, oui, ben, du papier, c'est le moment de faire des dessins. Oui, on est perdu. Bon, allez, plan de Paris, crac, voilà, tiens, 20e arrondissement, parfait. Quoi? Tu vas pas nous faire un fromage avec ton 20e, on lui foutra jamais les pieds dans le 20e. Bon, alors, il y a un monsieur, on va demander, on va pas tourner pendant 3 jours. Voilà, tu t'arrêtes, voilà. Bonjour, qu'est-ce qu'il a? Il est bien rouge, celui-là, monsieur Bouton, hein? Qu'est-ce qu'il a, hein? Non? Voilà. Ouh, hein? Bonjour monsieur, on cherche une maison de retraite qui s'appelle, eh oui, Jérôme, vite, comment elle s'appelle? La SPA de mamie Jacotte, vite, allez! Voilà, les charmis, on nous a. Hein? Hein? Pourquoi il a la bouche ouverte? Hein? Hein? Bah ouvre la bouche, toi! Les enfants ouvrent la bouche derrière! Ça doit être un truc de la région! Démarre, t'as compris? Démarre! Non, mais ça va bien. Pas bien ce coup-ci, toi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es arrêté pile sur son pied! Et non, plus, c'est pas la première fois que ça arrive, ce truc-là. Moi, je sais pas ce que. Je sais pas, il y a des moments. Non, c'est pas la. Ben, essaye la dame, tu vas voir la dame, regarde. Tac! Bonjour, madame. Démarre, t'es dessus! Jérôme, mets pas ton bras dehors, tu vas te le faire arracher. Alors là, attends, allez, voilà, pas avec un seul bras, là, hein. Non, mais franchement, Jean-Michel, oui, ben, je suis énervé, excuse-moi, mais quand même des maisons de retraite, il y en a 300 autour de Paris, il y en a qu'une qui est introuvable, c'est celle de ta mère. Bah oui, juste ton. Il devrait aller moins vite, l'autre devant, il roule avec son frein à main, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Hein? Dis donc, t'as de la merde collée au pneu! Je sais pas, Jérôme, oui, ben, je sais pas, mais le. Eh ben, signe ton dessin, eh ben, tu t'appelles Jérôme Génisse, hein, Génisse, G-E-N-I-S-S-E, Génisse, comme ça aussi, d'ailleurs, hein, on en parlera un autre jour, mais quand même, il a fallu que ça tombe sur moi, hein. Bonjour, madame Génisse, mais ça va, merci, hein, ça va, allez. Hein, quoi, y'a pas la place? Quoi? Si, y'a de la place, dans le 20e, y'a de la place. Regarde, au Père Lachaise, tu vois qu'on a de la place. Mais arrête, toi, mais j'ai pas dit qu'on allait la mettre là-bas, de toute façon, avant de la mettre là-bas, faut d'abord qu'on refoute le grappin dessus, alors arrête! J'en ai marre, moi, il fait une chaleur. Mais je sais pas, Jérôme, arrête avec tes questions. Mais le chameau, il a 2 bosses, ou une bosse, ou 4 bosses, il fait ce qu'il veut avec ses bosses, je m'en fous. Je sais pas. Bon, très bien, le chameau, il a 2 bosses. Eh ben, parce que cham, ça veut dire 2 en arabe. Voilà.
Eh ben, avant qu'ils apprennent l'arabe, on leur entend en reparler. Moi, j'en ai marre. Il fait une chaleur dans cette bagnole. Il fait 50 degrés. Ça y est, le vacherin, il a rendu l'âme. Moi, j'ai une jambe à la vanille, l'autre au chocolat. Alors, mamie Jacques, t'aimes les carottes. Arrête, Séverine, tu chantes comme une casserole. Hein, moi, je vous le dis tout de suite. C'est vite vu. Si à moins le quart, on n'y est pas, moi, je tue le chien. Voilà. Bon, il y a une caravane, on m'a demandé. Je vois bien qu'elle n'est pas abandonnée. Je vois bien qu'il y a des gens. Hein. Qu'est-ce que c'est, des gitans? Remonte la vitre. Vite, la vitre. Ah, plus. Voilà. Bah, plus petit, la vitre. Je parle où, moi, dans les caoutchoucs? Bon, je vais parler dans la boîte à gants, je vais parler là, voilà. Allez, faites le tour sur le phare devant, moi j'arrive. On va s'arranger, et pas passer. Un, deux, un, deux. Il va tout nous démonter la bagnole, dis donc. Hein, quand tu veux, la vitre, on t'attend, hein, quand tu veux. Merci, voilà. Bonjour, monsieur. C'est moi qui parle. Et à vous, cette caravane, là? Ah bon? Ben non, parce que nous, on cherche une caravane abandonnée. Si vous n'aviez pas été là, ça nous aurait bien arrangé. Hein. Ouais, il va falloir repartir après. Moi, mais moi, je sais même pas si je vais retrouver le chemin de ma maison. J'étais là choper la Liliane, ouais, je lui en donnais des nouvelles du pays. Foi de génisse. Non, je peux plus. Liliane, oui, c'est ma belle-sœur. Hein. Deux secondes, j'explique. Hein. Enfin, par alliance hein, avec le... Oui, c'est à moi, oui. Excusez-nous, on va s'arranger, on va se débrouiller. Hein, voilà, merci, bonjour madame, c'est votre maman. Non, c'est votre belle-mère. Ah oui, ben bon, moi c'est pratique, vous l'avez sous la main. Comme ça, c'est hein, la nôtre. Ben, on va tomber dessus un moment ou l'autre, hein, de toute façon. Hein, voilà, merci, je vous en prie, on va s'arranger. Voilà, bien, au revoir monsieur. Démarque, avance. Voilà, madame, au revoir madame. Les enfants, tout le monde, les petits éléphants. Au revoir les animaux. Tout le monde, les chiens-chiens, les wawa, tout le monde. Hein, bah là, vas-y, avance, roule. Bon, alors, hein, qu'est-ce comment on va? Ben là, je crois que c'est tout droit, voilà. Ou à droite, si je le mets comme ça, tu vois. Ou à gauche, si je le mets pas. Hein? Voilà, tac, hop, les petites bosses maintenant, tiens. Alors, on n'avait pas eu ça encore. Hein? Ça tombe bien, moi, j'ai rien dans le bide depuis ce matin, 7h. Il y a des mouches par ici, alors, j'ai un petit point dans les yeux. Une bosse, ah oui. Une vertèbre avec, hein. Non, ça fait rien, j'en ai plein d'autres. Là. C'est bien, c'est joli tout ce coin, hein. C'est vrai, c'est... Ouh là là, c'est joli par là. Qu'est-ce que c'est joli. C'est joli, c'est vert, hein, ouf. C'est vert, hein. Il y a pas mal de... Il y a beaucoup de vert. Moi, j'ai jamais vu autant de vert de ma vie, alors, pour dire. C'est vert, c'est la campagne, on est en plein dedans, on peut pas être plus dedans, de toute façon. On dirait qu'on ferait un rallye, qu'on serait les seuls concurrents, dis donc. On s'arrêtera pour que je mange quelques feuillages. Je sucerais bien de toi, pomme de pin. J'ai un petit peu soif. La bouche sèche, tu peux. Les enfants, je ferai des galettes de bouse tout à l'heure. Ça nous rafraîchira. La bouche sèche. La bien faite, pas mettre d'eau dans la voiture. À pas soif. C'est quand qu'on arrive? Ça, alors ça, ouais, votre père, on sait quand on part, hein, mais... Ouah, maman, je me rappellerai de celle-là. Les charmilles, là, les charmilles, ah, je sais pas, vas-y, coup de peau, on quitte. Le vacherin, il est bon pour la poubelle, nous, c'est pas loin, mais on va essayer de tenir le coup. Je descends, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Ah, bonjour, madame, bonjour, je suis madame Génisse. Oui, ah oui, ah, ça amuse beaucoup mon boucher, oui. Voilà, bref, on vient un petit peu en retard, on vient chercher madame Génisse, ma belle-mère, la mère de mon vacherin. Enfin... Par alliance, hein, bien sûr, avec... Bon, oui, là, je m'en fous, là. Voilà. Piou, j'ai un petit coup chaud, mais ça va revenir. Hein? Pardon? Liliane et Francis, ils sont... Et ils vous la ramènent ce soir. J'aimerais aller me coucher. Ouvrez les chambres. Parfait.
faut juste enlever un petit peu de sorbet qui est prêt. Voilà. Jérôme, tu fais un petit caca sous le perron ?